Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Peach OSI, Peach comme pêche, encore un OS fouetté. C'est une Xubuntu apparemment revampée avec un look à la Mac OS X. Pour tous les détails, vous référerez comme d'habitude au lien de blog de la descriptif. Donc on va lancer l'ensemble et je vais vous montrer le massacre. Donc c'est une Ubuntu apparemment 14.04. L'écran de démarrage est très modeste. Je vous laisse le découvrir. Modestie incarnée, le soleil qui se lève. Bref, déjà ça donne envie. Voilà donc c'est une Ubuntu comme ça on peut le voir ici. Je vais passer en français pour le clavier parce que comme c'est précisé dans l'article, j'ai eu des problèmes pour installer l'ensemble directement en français. J'ai eu droit à un beau plantage. Voilà, donc nous retrouvons avec une distribution tout ce qui est le plus classique avec un menu Whisker alias menu Peach. Voilà, ça doit être, je sais pas ce que c'est, je vais voir ce que ça donne. Bon, en gros, c'est le, ça me fait un peu penser à ce qu'était PyrOS dans l'affichage. Donc là, on se retrouve tous les outils. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de doublons. Il y a LibreOffice et AbiWord numérique, il y a Orage, il doit y avoir aussi quelques doublons. Hein. Il y a aussi Winnet qui est présent. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme doublon? Voyons. Il y a quand même pas mal de logiciels. Il y a Firefox et Midori, et Thunderbird et Jerry, le projet de Elementary OS. Banshee en doublon avec JMusic Browser. VLC. Donc, il y a quand même pas mal de doublons. Hein. Ça, c'est le problème. XFBurn et Brasero. Donc, déjà, côté doublon, merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de logiciels et quand même quelques doublons, des icônes qui n'ont que peu de côté pratique. Voilà, donc là vous voyez déjà. Le terminal, il faut passer par là parce qu'il est absent des menus officiels. Si on va dans le terminal, on ne trouve pas. Il y a Gedit et aussi un autre logiciel, je crois. Il y a pas mal de petits doublons. Le terminal, il y a la Logitech de Muon. Je crois que Muon, c'est le projet de Kubuntu, de mémoire. Bah, Notepad et Gedit, c'est Doublon Incorporated, cette distribution. Voilà, mais on ne peut pas accéder directement au terminal. Qui est très pratique. Donc j'ai ce terminal ici ouvert. Côté Logitech quand même c'est assez récent et aussi en français. Là c'est LibreOffice 4.4.2, je crois me souvenir, voilà, c'est ça. 4.2.4 pardon. Avec des icônes assez sympas. Donc là c'est bien LibreOffice 4.2.4. Donc il y a DGCam, il y a Entangle, ça, il y a Gimp aussi, il y a le doublon JMusic Browser et Banshee. De quoi gérer vos finances personnelles? Je ne connais pas ce logiciel, donc je lance, je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne sais même pas. Apparemment c'est un vieux logiciel qui ne doit plus être mis à jour depuis au moins 4 ans. Très joli thème pour Mozilla Firefox, hein, vous pouvez le voir. Apparemment, c'est un logiciel qui est légèrement à l'abandon. Enfin, bref, très légèrement. Donc, il y a Adblock Plus, il y a FlashGot. Non, personne n'est interactif, je ne sais pas ce que c'est. Donc côté module, qu'est-ce qu'il y a d'installé?
donc les trucs classiques comme AdBlock Plus. Les pro pubs vont apprécier. Donc il y a bien sûr numérique et Abbey Word et LibreOffice. Toujours les doublons. C'est un noyau, bien sûr, ce n'est pas en français le clavier, même si je l'ai demandé, donc je vais faire le réglage. Donc cette distribution pèse très lourd, horriblement longue à récupérer. Alors, c'est pas ça que je veux, je vais rajouter le clavier français. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc là, ça sera mieux ce coup. Donc c'est un noyau 3.13. Et la distribution mange 6 gigas. Donc on va voir en gros ce qui est encore disponible. Donc là, c'est vraiment pas une distribution super intéressante. J'ai presque envie de dire, prenez directement une Zubuntu, vous serez moins déçu. D'ailleurs, vous serez une distribution beaucoup plus légère et utilisable. Donc là, on va aller dans un système. Il y a Winé aussi pour les personnes qui en ont besoin. Pour les personnes qui ont besoin de logiciel Windows qui ne passe pas autrement. Donc Muon, je ne sais plus si c'est pour LXDE, enfin Linux, l'Ubuntu ou Kubuntu, je ne sais plus. C'est pour Kubuntu. Ouais, quel intérêt de rajouter une couche supplémentaire. Bon, il y a Blender aussi pour les personnes qui sont intéressées. Cette distribution n'est pas franchement des plus intéressantes. Là, c'est vraiment... Donc là, on va passer directement... Voilà, donc c'est... la preuve que c'est en anglais par défaut. Les répertoires n'ont pas été traduits. Donc là, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est une distribution que je ne vous conseille pas du tout. Je ne vois pas vraiment vieillir d'ailleurs autre mesure. Donc vous voyez là, c'est vraiment une distribution, on se demande à quoi elle sert. Allez, à plus.